Le plan d'occupation des sols va être remplacé par le plan local d'urbanisme, un document réglementaire qui définit pour les 15 ans à venir la politique d'aménagement de la ville. Depuis hier, un commissaire enquêteur recueille les propositions d'aménagement des Tourangeaux et les informe sur l'avenir de leur quartier. Et les citoyens peuvent venir voir leurs parcelles, hein, parce qu'on travaille au 2 millième, hein, reconnaître leur habitation sur la parcelle, voir dans quelle zone se situe leur habitation et déterminer ce qu'il est possible de faire ou pas faire sur sa parcelle, dans son habitation, pour faire une extension, pour faire un bâtiment ou autre. Hein. 20 sites sont concernés par cette politique d'aménagement. Les casernes Beaumont et Chauveau, 10 hectares qui seront transformés en quartier. Le site de MAM sera converti en pôle des arts graphiques et de l'image. Le quartier des Deux Lions, la gare, mais aussi les berges de la Loire et du Cher seront touchés. Le plus, c'est vraiment un document qui va beaucoup plus loin, qui est un document d'aménagement, d'organisation de la ville, et en tenant compte en particulier du Grenelle 2. Je veux dire, on met en avance un certain nombre de thèmes importants, l'attractivité de la ville, la mixité à travers des projets de construction dans certains secteurs. Donc c'est vraiment une vision qui va beaucoup plus loin que l'aspect réglementaire, zonage, hauteur, stationnement. Le plan local d'urbanisme sera voté en mai 2011 au Conseil municipal et mis en application au début de l'été.